allez tous bien? Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aussi je vous retrouve dans une toute nouvelle pièce. Je vous présente aujourd'hui ma beauty room. Enfin, j'ai terminé. Je peux maintenant être fière de vous montrer ce que j'ai fait dans cette pièce. C'est l'endroit où je viens relaxer, où je m'évade. J'ai mon coin lecture, j'ai mon coin maquillage, j'ai mon coin bureau, travail et j'ai aussi mon coin vêtements, vitrine de magazine. En tout cas, j'adore ce que j'ai fait ici et j'espère que vous allez apprécier aussi. Mais juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur le bouton abonner et en même temps, activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Donc, sans plus tarder, voici le room tour. Voilà ce qu'on voit lorsqu'on ouvre la porte, c'est tout de suite le coin bureau. Ensuite, il y a une fenêtre juste à côté. Alors, on va commencer tout de suite avec le coin bureau. Je pense que qu'est-ce qui m'a inspiré vraiment la décoration de cette pièce, c'est ce tableau qui est magnifique. C'est un gros tableau qui vient de chez HomeSense, que j'ai payé une centaine de dollars, mais qui valait vraiment, vraiment la peine. Les couleurs sont magnifiques. Vous voyez plusieurs teintes de gris. Un peu bleuté avec un petit peu de noir, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est le fait que le contour du tableau soit doré. C'est juste magnifique. Alors, on continue ici. Vous voyez mon bureau. Mon bureau, il vient de chez IKEA. C'est le modèle Malm. Ça fait des années que je l'ai. Je pense que je vous dirai à peu près 4 ans. Quelque chose comme ça. Donc, il est encore en très bon état. Par-dessus, il y a une vitre. Qui venait avec, mais la vitre se vend séparément. Je pense que j'avais payé 10$ et le bureau, il est encore, le modèle est encore chez IKEA, donc je vous mettrai le lien. Comme vous pouvez peut-être le voir, il y a un tiroir, un gros tiroir, mais le défaut de ce tiroir, c'est que il ne s'ouvre pas complètement. Voici l'ouverture maximale, on peut pas l'ouvrir plus que ça. Bon, c'est pas si grave que ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des petits bacs à l'intérieur du tiroir pour pouvoir être bien organisée. J'en ai juste deux. Je voulais essayer avant d'en acheter plusieurs pour pas me tromper. Donc, comme vous voyez, il fait parfaitement. Donc, je vais en acheter deux autres pour mettre dans le tiroir. Et dans le premier tiroir, dans le premier compartiment que vous voyez ici, c'est mon agenda qui vient aussi de chez HomeSense Marshall. Ici, j'ai mon dans ce compartiment-là, j'ai mon cahier de prière. Et de ce côté-là, j'ai mes écouteurs sans fil pour mon téléphone et mon ordinateur, un stylo. Et ça ici, c'est pour mon ordinateur, c'est pour pouvoir brancher une prise USB. Et de ce côté-là, j'ai mon chargeur. Faites pas attention à ce côté-là parce que, comme vous voyez, il est pas rangé. Mais hein, sinon, j'ai mon chargeur d'ordinateur. J'ai mon allume-bougie. Et ici, c'est des palettes trop grosses que j'ai mis là-dedans. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais je laisserai pas ici. Là, j'ai des batteries. Bref, comme vous voyez, ce coin-là, c'est vraiment du n'importe quoi. Sinon, ce coin-là, il me plaît. Donc, je vais essayer de faire ça partout dans le tiroir. Voilà pour le bureau marbre. Et sur le bureau, j'ai cette magnifique lampe qui vient de chez HomeSense. Il est splendide. J'aime le côté un peu girly, fifi, chic. Ah, c'est super beau. Elle m'avait coûté 60$. Non seulement la lampe, elle est magnifique, mais elle a aussi un côté pratique parce que sur le côté ici, vous avez une prise USB si jamais vous voulez charger votre téléphone ou je sais pas quoi. Et le bouton que vous voyez là, ben j'appelle ça un bouton, mais en tout cas, ça ici, on tourne et ça allume la lampe. Vous pouvez voir comment c'est magnifique quand c'est allumé. J'adore cette lampe. Ensuite, à côté, j'ai mon Google. Là ici, j'ai un stylo qui est superbe. Il vient de chez Amazon. C'est ma cousine qui me l'a donné. Elle avait commandé un paquet et j'ai réussi à en avoir un. Et là, à côté, j'ai mon ordinateur. Quand je n'utilise pas mon ordinateur, j'aime bien aller sur YouTube et écrire fond d'écran, feu de foyer. Et en général, j'aime bien celui-ci. Ok, et à côté, j'ai ça ici. Je ne sais pas comment qu'on appelle ça. Mais je vous dirais que c'est un plateau en miroir. Et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il me rappelle un peu le motif Versace. Et comme vous pouvez voir, il y a un miroir à l'intérieur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un diffuseur ici, qui vient de chez HomeSense, qui sent extrêmement bon. Et à côté, j'ai mis une petite fleur assez simple. Et de ce côté-là, vous voyez, c'est ma bougie préférée.
Elle vient de chez Winners, la marque Sand plus Fog. C'est vraiment la sorte de bougie que j'adore. J'en ai plusieurs à la maison. Et le petit singe que vous voyez ici qui porte la bougie vient aussi de chez Home Sense. Je voulais garder le bureau assez simple, je ne vais pas mettre trop de choses sur le dessus. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de vous présenter mon petit vase ici avec un visage Maya. Je l'ai aussi dans le noir, dans l'entrée de la maison. Et en fait, ici, je l'utilise pour mettre mes télécommandes pour ma lumière à l'intérieur. La pièce que j'adore énormément, c'est ça ici. Ma chaise de bureau. Je trouve que c'est important d'avoir une chaise hyper confortable. Et celle-là, elle est juste trop confortable. Elle est faite en velours, je pense, si je ne me trompe pas. C'est super doux. En tout cas, c'est juste trop beau. Et ce que j'aime aussi, j'arrête pas de dire ce que j'aime, mais j'aime beaucoup le pied doré. J'aurais jamais pensé mettre du gris avec du doré, mais ça se marie très très bien. Voilà pour mon coin bureau. Si on continue à ma droite, à côté du bureau, ce qu'on voit, c'est la fenêtre. J'ai une petite fenêtre, c'est pas une grosse fenêtre, mais à cause des rideaux, on a l'impression que la fenêtre est assez grosse. Les rideaux viennent de chez HomeSense. Je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si... Ouais, là, vous voyez qu'il y a un peu de brillance, il y a de la texture dans les rideaux. J'adore ce côté-là. J'aime aussi le fait que les rideaux soient vraiment longs et qu'ils traînent par terre. Je trouve que ça donne de la grandeur à la pièce. C'est voulu. Les rideaux sont à peu près de la même couleur que le tableau et la chaise. Les voilages blancs que vous voyez ici, ils viennent de chez Ikea. J'ai acheté deux paquets, puis dans chaque paquet, il y a deux voilages. De ce côté-là, vous voyez, c'est mon coin maquillage. J'ai mis sur le mur quatre cadres. Les cadres viennent de chez Dollarama. Je les ai sprayés en noir, en doré. Au début, ils étaient blancs. Je sais, ils sont pas tout à fait égaux, mais c'est pas grave. Il va falloir que je le replace, mais j'aime bien comment je les ai disposés. Les images que vous voyez, c'est des images qui viennent de chez Pinterest. D'ailleurs, c'est un truc que je vous donne quand vous voulez des photos pour vos cadres. Moi, je vous conseille de prendre des photos sur Pinterest et tout simplement les imprimer. Donc, voici mon bureau de maquillage. Le bureau vient de chez Ikea aussi. C'était le bureau de ma fille, mais elle l'utilisait pas. Donc, je me suis dit, je vais trouver une fonction à ce bureau et je l'utilise pour me maquiller. Par-dessus le bureau, j'ai mis des chandeliers. Ce sont des fausses bougies qui viennent de chez Walmart. Les chandeliers viennent de chez Winners. C'était pas du tout cher. Je pense que lui, le plus gros, m'a coûté 20$. Et le plus petit, il était 16,99$, quelque chose du genre. Ce pot-là, c'était un pot à bougies qui était terminé. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser comme pot pour mes pinceaux vu que j'en ai pas beaucoup. Et ça, c'est un miroir. C'est le miroir que j'utilise pour me maquiller. Le miroir vient de chez HomeSense aussi. Et pour m'asseoir à mon bureau de make-up, j'ai ce petit banc-ci qui vient de chez Jix, J-Y-S-K. Je vous en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo, ma vidéo HomeSense Haul. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai peint le pied en doré. Il était de couleur bois foncé. Je ne trouvais pas ça très joli, donc j'ai juste pris le pied en doré. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc c'est fini ici pour mon coin bureau. Vous avez la vue complète. Et à côté de mon coin bureau, j'ai ça ici, le rack. Ce rack-ci vient de chez Ikea. Il était blanc au départ. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos mode. Je l'ai juste décidé de le spray en doré et je trouve que ça change complètement l'allure de ce rack. Il est vraiment très joli en doré. J'aurais pas pensé qu'il aurait été aussi beau et je regrette pas du tout de l'avoir fait. En dessous, il y a un tapis blanc. Le tapis vient de chez HomeSense. À côté, là, vous voyez mon coin lecture. La chaise ici que vous voyez, c'est moi qui l'a fait. En fait, j'ai pas fait la chaise, je l'ai juste transformée. C'est une vieille chaise que j'ai trouvée dans l'appartement quand j'ai emménagé. Puis je voulais avoir une chaise pour mon coin lecture, mais j'avais pas envie de dépenser. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un tapis chez HomeSense et je l'ai collé. Je l'ai collé sur la chaise. Puis la chaise est devenue beaucoup plus confortable en plus. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai spray pâte de la chaise en doré pour garder encore mon thème blanc doré. À côté, j'ai une petite table café.
à café, je pense, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et la table vient de chez Jix, à la même place où j'ai acheté la chaise qui est là. La chaise au départ, la chaise, la table au départ était en bois pâle, les pattes. Et encore une fois, je l'ai spray en doré. Sur la table, j'ai gardé ça quand même assez simple. J'ai mis un bouquet de fleurs qui vient de chez HomeSense. J'ai en dessous le magazine de IKEA parce que j'adore aller là. J'ai une bougie qui vient de chez HomeSense. Cette bougie-là sent extrêmement bon. Et à côté, j'ai une petite déco, la Tour Eiffel. C'est une loupe avec comme manche la Tour Eiffel. C'est très joli. Il vient aussi de chez HomeSense. Le miroir, c'est un miroir qui est quand même assez gros. Le miroir au départ, il n'était pas doré. Il était blanc, je pense, si je ne me trompe pas. Non, je ne me souviens pas. Il était argent. Ouais, il était argent. C'est un miroir qui coûtait... combien il coûtait? 80$ si je ne me trompe pas. 70 ou 80$. Et moi, je l'ai eu moins cher parce qu'ils se sont trompés sur le prix. Ils ont mis une mauvaise étiquette. Donc, je l'ai eu à 35, je pense. Alors, je me suis dit, je vais juste le spray en gold. Ça va être juste parfait. Voilà mon coin lecture. Puis, en dessous de la chaise, j'ai oublié de vous montrer. J'ai ça ici. C'est un genre de panier en métal. À l'intérieur, j'ai mis tous mes livres que je veux lire en ce moment. Comme ça, quand je veux lire, je fais juste tirer le panier, choisis mon livre et puis voilà. Ok, on va continuer ici. Dans ce coin-ci, j'ai une commode. Oh, cette commode-là, il vient de chez IKEA et ça m'a pris une éternité pour pouvoir monter la commode. Ça m'a pris 4 heures pour monter cette commode. 4 heures. Mais ça a valu la peine parce qu'il est vraiment magnifique. Et sur la commode, j'ai mis une lampe. C'est la même lampe que celle qui est ici sur mon bureau. Mais c'est une autre version. Celle-là, elle est plus courte, plus basse. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de plumes. Je vais l'allumer comme ça, vous allez pouvoir voir de quoi ça a de l'air. Voilà. C'est magnifique. J'adore. J'ai un autre diffuseur ici. C'est le même en fait que celui qui est sur mon bureau. Je vais éteindre la lumière. Ok. C'est le même diffuseur qui est sur mon bureau. J'aime tellement la couleur, le style de ce diffuseur que j'en ai acheté un deuxième. Ici, vous avez une collection de livres que j'ai acheté chez HomeSense. Je trouvais que ça faisait très joli sur la commode avec ce bibelot qui vient aussi de chez HomeSense. Oh, je pense que j'ai encore le prix dessus. Oh, il est 16,99. Vous voyez, c'est vraiment pas cher. Faudrait que j'enlève l'étiquette. Et le miroir que vous voyez au mur, celui-ci, il vient de chez Walmart. Il m'avait coûté, je pense, 50$. Maintenant, on va terminer avec ce coin-là. J'ai ces deux racks-là, un qui est de chaque côté. Ils viennent de chez IKEA, mais ce sont des modèles qui sont discontinus, on les fait plus. Je trouve que c'est pas des racks qui sont pratiques quand on a beaucoup de vêtements. Je vais probablement les changer, je sais pas quand, mais je vais les changer pour prendre le système PAX. Ça va être plus, pas avantageux, mais je veux dire plus pratique pour moi qui a beaucoup de vêtements parce que la plupart de mon linge se trouve dans la garde-robe. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes blazeuses. Ce ne sont pas toutes mes blazeuses qui sont là. J'en ai mis quelques-uns parce que j'ai quand même beaucoup de blazeuses. J'ai été par couleur, du plus pâle au plus foncé. Et au-dessus, j'ai mis des sacoches, des sacs à main. Et en dessous, j'ai les bottines. La plupart de ces bottines-là, vous les avez vues dans mes hauls Zara parce qu'ils viennent tous de chez Zara, à part celui-là qui vient de chez H&M. Là-dedans, il y a mes parfums et cette boîte-ci par-dessus, c'est ma boîte d'ordinateur pour mon laptop. Ça ici, je trouve ça hyper pratique. J'ai acheté ça chez IKEA. J'ai mis tous mes produits capillaires là-dedans. Et j'aime le fait qu'il y a un couvercle sur le dessus. Ici, j'ai des sandales, des petites sandales d'été. J'ai mis ça là en attendant, mais je ne vais pas les laisser ici. On va continuer dans le milieu. Encore des sacs à main. C'est la bibliothèque Billy qui a 6 étages. J'adore cette bibliothèque-là parce que qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut déplacer les étagères à notre guise. J'ai choisi d'avoir 2 étages assez rapprochés. Parce que je voulais mettre mes talons, mes sandales à talons qui prennent pas beaucoup de place. Et je voulais avoir un coin vraiment pour exposer mes bijoux. Ce support à bijoux vient de chez HomeSense. J'avais pas payé cher, mais vraiment pas cher. Je pense que c'était
10$, je pense, quelque chose comme ça. Puis on peut quand même mettre beaucoup de bijoux là-dedans, de colliers. Puis aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre des boucles d'oreilles, des bagues ici. Mais moi, non, je préfère le laisser comme ça. Là, ici, j'ai mis à côté les deux paires de lunettes que je possède. J'ai pas plus de lunettes que ça. Ce sont vraiment les deux seules lunettes que j'ai. Parce que je trouve que les lunettes ne me vont pas bien. Je sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Mais c'est les deux seules que j'ai trouvées qui me faisaient bien. Donc, je les garde précieusement. Là, ici, j'ai encore un diffuseur, mais avec le même parfum que celui-ci. Et à côté, il y a une fleur qui vient de chez HomeSense. J'aime beaucoup le vase. Je trouve que c'est très, très joli. Et j'aime ça parce que c'est simple. La fleur est blanche et elle prend pas trop de place. C'est juste magnifique. Et là, ici, j'ai un... Je sais pas si vous entendez, le plancher, il grince. C'est ce que j'aime pas dans cette pièce. Les planchers grincent énormément. Essayez de pas prêter trop d'attention à ça. Là, ici, j'ai un... pas un tableau, un cadre. Ça dit, I'm not here to be average. I'm here to be awesome. Et là, ici, vous voyez, j'ai mon petit plateau à parfum qui vient aussi de chez HomeSense. Je suis pas une fille qui a beaucoup de parfums. Comme vous voyez, la plupart des parfums viennent de chez Zara. En ce moment, c'est celui-là que je porte le plus souvent. Et ça, ici, c'était un cadeau de mon frère qui avait plusieurs échantillons de parfums de luxe. Là, ici, il y a Yves Saint Laurent. Il y a lui, Marc Jacobs. Je pense que celui-là, c'est Bulgari. Ouais, Bulgari. En tout cas, j'aime ça. Je trouve que ça fait très mignon. Et en dessous, j'ai encore des sandales à talons. Puis en dessous des sandales à talons, j'ai encore un espace assez un peu plus large pour les bottes. Puis j'ai mis une petite décoration, ben, un cadre qui dit Paris, New York, London, Tokyo, Stockholm, Milan. Et en dessous, vous avez mes running shoes de couleur plus foncée. De ce côté-ci, j'ai un autre rack qui est pareil comme le premier. J'ai mis deux étages. Le premier étage, ce sont les tops, les crop tops, les tops courts à manches courtes et à manches longues. Ce ne sont pas toutes mes tops, ce sont quelques-uns. Et en dessous, vous avez des jeans. Encore une fois, j'ai été par couleur, du plus pâle au plus foncé. Et je trouve que c'est très joli. Et en dessous, vous avez les sandales, les mules. Les deux premiers ici que vous voyez sont de chez Zara. Lui, c'est H&M. J'ai acheté ça l'été passé. Et les imitations Gucci, ça vient de chez Aldo. Le dernier étage, j'ai encore une autre boîte. Celui-ci, il y a des choses à l'intérieur. Je pense qu'il y a des parfums. Là, par-dessus, j'ai ma petite boîte à bijoux. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. J'ai installé des lumières rondes pour que la nuit, quand j'ai pas envie d'allumer les lampes, que j'ai juste à allumer les lumières pour donner une ambiance plus, je sais pas moi, plus cosy, plus tamisée. J'ai acheté ces lumières au Dollarama. Ils viennent avec des télécommandes comme ça ici. On peut choisir la couleur des lumières. Là, ils sont blancs, mais je vais éteindre la lumière pour que vous puissiez mieux voir peut-être. Ok. Là, ils sont blancs, mais je peux choisir de les mettre bleus. Ou je peux les mettre rouge, tu sais. C'est cette couleur-là que je mets le plus souvent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ma décoration. Comme je vous ai dit, je vais essayer de vous laisser des liens en barre d'infos. La plupart des articles que je vous ai montrés viennent de chez HomeSense, Marshall, Winners, mais ils n'ont pas de site internet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver des articles similaires sur d'autres sites et je vous mettrai les liens de ces articles-là qui ressemblent à peu près à ce que je vous ai présenté ou des modèles qui seraient susceptibles de vous plaire. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Juste avant, j'ai oublié de vous dire, si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser des thumbs up, laissez des commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce type de vidéo. Je vais essayer d'attirer plus de vidéos différentes sur ma chaîne. La mode va toujours être présente, ça c'est clair. Je vais vous laisser là-dessus. On se revoit très 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 bientôt pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!